D'être le chat du Cheshire, sauf que moi je ne peux pas me rendre invisible. Audrey, ta robe est magnifique. Ta pierre est bien mise en valeur. Merci, toi aussi ta tenue est superbe, Jordan. Merci, je suis contente que ma robe te plaise. Oh, je suis tellement impatiente que ça commence, j'en peux plus. Où sont-elles toutes passées? Il est l'heure. Oh, elles ne comprennent pas l'importance du bijou bilé. Je ne parle pas du bijou bilé, je parle de mon grand numéro musical. Oh, qu'est-ce qu'elles font? Merci infiniment, Majesté. Oui, j'aime les histoires qui finissent bien, comme dans les contes de fées. Tada. Tu es super jolie. Je te l'avais dit, tu vois. Merci, mais je t'assure que je ne me sens pas prête pour le bijou bilé. Je t'en prie, si on leur dit tout sur la pierre ensorcelée cachée dans ton collier, ils te laisseront entrer avec nous. Non, je ne veux pas provoquer une scène. Enfin, une autre scène. Et puis, de toute manière, on ne me remettra pas ma pierre de naissance puisqu'elle est ensorcelée. Alors à quoi bon? Si tu n'y vas pas, je n'y vais pas non plus. Je préfère rester ici avec toi. Tu sais, Evie, tu es vraiment la meilleure amie que j'aurais pu rêver d'avoir. Oh! Alors, on fait quoi? Tu veux essayer mon diadème? Non, je vais m'abstenir. Pourquoi elles sont en retard? Tu as dit à Mal qu'elle n'était pas invitée. Pour elle, le bijou bilé sera une fête sans bijoux, la pauvre. Je sais, mais où sont passés Evie, Freddy et Jane? Tu crois qu'elles vont bien? Quand je les aurai trouvées, elles iront très mal. Oh, wow, je n'ai... Dépêchez-vous, on est en retard. Audrey va nous écraser comme des citrouilles. Oh, regardez. Qui c'est cette grande silhouette verdâtre devant le mur? Il essaye d'attraper quelque chose dans la salle du trône. Hé, hey, vous là-bas, qu'est-ce que vous fabriquez? Retournez-vous. Mais il est passé où? Oh, oh non, pas toi. Ah bon, pourquoi? Qui est-ce? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Zevon, je suis le fils d'Isma et je suis votre pire cauchemar.